que c'est beau, Mike. C'est beau, hein. Ça parle, hein. Alors, bonjour à tous. Salut Arnaud, salut Mike. Alors, nous sommes aujourd'hui au Japan Expo, 20e anniversaire. 20 ans déjà. Et on s'est dit, parce qu'il y avait vraiment un événement exceptionnel pour ce 20e anniversaire, c'est la venue de Go Nagai, le papa de plein de choses, mais en l'occurrence Goldorak. De Goldorak. Goldorak. Et Cherry Miel, enfin Cutie Honey, pour ceux que ça pas, Mazinger. Et là, on a Arnaud, parce que tu es là avec nous, ouais. Un new challenger dans le projet arcade. Ouais. Vous le verrez bientôt. C'est la première fois que tu viens à Japan Expo en plus. Exactement, c'est la première fois. Et alors, on va voir un petit peu cette exposition, parce qu'en fait, l'idée, Mike, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a une trace de ça. Ouais, voilà, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui... La Japan Expo, ça emballe pas forcément tout le monde. Non, c'est mais ça. Mais Goldorak, il y a plein de gens qui seraient venus exprès, qui peuvent pas, qui habitent loin. Et on s'est dit, tiens, bah pourquoi pas laisser une trace pour les gens de visiter l'expo par procuration, finalement. Et il y avait Go Nagai qui est venu, qui est le papa de Randizer, Mazinger, donc. Alors, qu'est-ce qu'on a... Alors, on la découvre un petit peu, hein. Ouais, alors là, ce que j'adore déjà, tu vois, l'entrée en matière, elle est géniale parce qu'il y a plein de cellules, enfin de dessins, de crayons originaux, de crayonnés. Ça, c'est excellent. Alors, c'est imprimé, hein. C'est... Et là, c'est le pilote, ça. Ouais, c'est le pilote, ouais. Alors, il y a des séries que je connais pas, parce que c'est, je suis pas expert non plus tout ça, mais tu reconnais des trucs. Regarde celui-là, il est excellent. Avec le détail intérieur, j'aime bien. Ah, il y a vraiment, il y a les Golgoths. Ouais. Les Golgoths. Ouais, ouais. Quelques essais de Golgoths. Ah, celui-là, je sais pas quelle série. Je pense que c'est Mazinger, ça. Tu crois? Ouais. Non. C'est. Dire un démon. Ça me parle, mais tu crois que c'est Mazinger, toi? Je crois, ouais. Il me semble qu'il y a des. C'est pas du Devilman? Ah oui. Là, Devilman, non? Peut-être, c'est possible. Après, tu connais. Non, on l'a vu assis, lui, en statue quelque part. Il y a une belle statue immense, ouais. Là, en taille réelle. Là, on reconnaît bien Goldorak. Déjà quoi, l'ébauche. Et celui-là. C'est intéressant parce que tu vois, avant même d'avoir défini le corps, on voyait déjà, il travaillait le détail de la tête. T'as vu? Ouais. Donc là, c'est resté un petit peu juste des traces et là, déjà, il travaille le. Ça doit être des études, la préparation. Ouais, bien sûr. Alors on rentre à l'intérieur. C'est le grand stratégaire ou pas? C'est peut-être un. Un essai quoi. Pour le pilote, non, le pilote il était différent encore. Ouais, il était différent. Alors bon, on va regarder, hein, on découvre en même temps que vous. Donc Go Nagai. Monsieur Go Nagai, qui est plus tout jeune maintenant. Donc il était là. Hein. Il était là, ouais. Ça, c'est des petites PLV à la fin de la. Qu'on aimerait bien avoir. Hein. Ouais, c'est des trucs qui vont. On sait pas où ça va partir, il y en a qui vont récupérer, ça se passe toujours comme ça. Mais elles sont fort sympas. Regarde, Actarus. Alors, je sais pas en japonais comment c'est. Actarus. Et lui, c'est Alcor, c'est ça? Alcor, mais là, c'est dans Mazinger, là, non? Ouais, le casque, il est. Moi, je suis pas un pro de Goldorak. Alors, il y a des petits textes sympas. Et moi, ce que je veux dire, même taille qu'Actarus. C'est sympa. Les gens peuvent faire un arrêt sur image, tu vois, si t'as envie de lire et tout, en profiter. C'est vrai. Avec une petite mise au point carré, j'espère. Petit Gonag. Il n'était pas déjà venu à Japan Expo? Je crois pas. Moi, ça me dit rien. Non. Donc, le monsieur qui est 45 quand même, c'est marrant de voir un mec qui, maintenant, qui a inventé des choses cultes de la pop culture mondiale, finalement. Mondiale, ouais. Mondiale, ouais. Même si aux États-Unis, je suis pas sûr que Goldorak et ses créations ont le même impact, mais c'est un monde. Alors, là, elle est super crayonnée. Devilman, ouais. Donc a priori 72, est-ce qu'ils font chronologiquement? Je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être chronologique, hein. Donc c'est peut-être sa première heure, Devilman. Oh, et j'ai vu quelque chose derrière. Regarde derrière toi, Mike. Ah ouais, j'ai vu. Magnifique. Extraordinaire. Alors là, la suite. Il est beau, hein. Il est magnifique. Attends, parce que l'idée c'était qu'on voit un petit peu quand même. Ouais, des plans là. C'est vraiment, il y a plein de petits. Excellente la harpie là, regarde. J'aime beaucoup. Mais on reconnaît vachement, tu vois, c'est quoi? C'est 5-6 ans avant Goldorak. Mais on reconnaît le style des Golgoth. Enfin, c'est son style, hein, l'inspiration. La patte, de toute façon, elle était déjà là, quoi. Et alors, moi je trouve que c'est vachement inspiré. Tu reconnais, ça te fait pas penser à. Masakatsu Katsura avec son
pas Shadow Lady, comment il s'appelle ce manga où il a un héros Wingman? Non, pas Wingman, ça va me revenir. J'ai autre. Là, j'ai pas d'idée. Je suis sûr qu'il y a une inspiration de Gonagai. Alors là, des séries qu'on connaît pas, enfin moi je connais pas. Non, moi ça je. Zanin, Mozan, ou si c'est le nom des personnages, je sais pas. Mais ça, c'est des. Méchants, c'est, hein. C'est, ouais, ouais. C'est des Villeman, ça. C'est toujours des Villeman. Ouais. Ah, il est excellent. T'as eu toujours cette petite flèche avec le commentaire Takema Kimura. Et on reprend hein, le vieux dans Goldorak, là, ouais. Avec son ouais. Le menton du proéminent. Non, ouais. Ça c'est pas le vieux, c'est celui qui a le vaisseau. Le vaisseau rond qui est marron et jaune. Mais on regarde le style avec le menton proéminent, ouais, comme exact, lui. Ouais. Et même ses héros, hein. Tu regardes. Bah, c'est héros, oui, parce que tu as ses héros, c'est toujours les brins à mèche, tu vois. C'est vrai qu'on est proche. Hein. Ça rappelle, c'est Alcor, quoi. On voit que c'est un pré-Alcor. Et c'est marrant parce que nous, moi je suis vraiment pas un expert et je suis pas un connaisseur à fond. Et pourtant, on est tout de suite frappé par la ressemblance. Grave. Ça, ah bah là, on arrive sur Mazinger. Mazinger Z. Donc Mazinger, le héros, c'est Alcor. Hein. Alors là, je peux pas te confirmer. Ah bah si, je te le dis. Il y a Tetsuya et puis Alcor, il s'appelle pas Alcor, il s'appelle Veggie, je sais pas. C'est pas un truc comme ça. Alors Mazinger, moi je le connais surtout pour le générique dégueulasse en français. Mais en fait, Mazinger, ça a été très populaire en Italie, par exemple. Ah bah, et c'est plus, je crois que c'est même peut-être plus populaire que Goldorak. Ouais, ouais, que Goldorak, ouais. Goldorak. Mazinger Z, ils ont fait un remake en 2017. Et voilà, Alcor, hein, tu vois. C'est le pilote. Ah, t'as vu la base, regarde, là. T'as le détail de la base et tout. En plus, tu vois, à mon avis, il avait prévu quelque chose, tu vois, il avait mis des petites... Alors, je sais pas ce que ça veut dire, hein, forcément, je parle pas japonais. Ah, mais tu vois, à chaque fois, il y a des petits détails, tu vois, il dit ça, ça s'ouvre. À tous les coups, c'est de dire ça s'ouvre, tu vois. C'est génial. Et tu vois alors, là ça me saute aux yeux. C'est 72, donc c'est avant Star Wars. Et là, t'as l'impression d'être dans les bases, tu sais, les bases de Star Wars où il y a les vaisseaux. Exactement. Ah, ouais, alors est-ce ouais. que, moi je pense pas, parce que est-ce qu'aux États-Unis il y a une influence de ce dessin animé, je suis pas sûr. Mais je trouve que ça ressemble aux bases, tu sais. Qui se serait inspiré. Les bases rebelles ou ouais, même ouais, la base de l'Empire. Ouais, avec l'espèce de ouais. structure en colonne là, et la grande entrée. Il est simple. Le boss. Ça c'est vraiment son style, hein. On reconnaît déjà du grave. Du dur Goldorak. Eh, c'est grand hein. Alors, il y a toujours Mazinger, toujours le personnage, non c'est... Bon c'est quand Goldorak, Mike? Goldorak quoi? C'est quand on arrive à Goldorak? 75. Il est là, 75! En France, 78. Ah, mais c'est je crois, hein, 78 en France. Hein. Ouais, je crois qu'il arrivé sur Recra 2, j'étais ça. Vrai. Et ouais. 75. Alors, Great Mazinger, c'est quoi? C'est la suite? Ouais, c'est le deuxième en fait. Et on est, là, on fait une vidéo, on est en train culte, on va dire. Faut pas se moquer, hein, mais c'est vraiment alors, pas les choses qu'on connaît plus. Si je me trompe pas, normalement, Great Mazinger, il est piloté par Tetsuya. Et il est censé être plus fort que Mazinger. Ah ouais? C'est une évolution. Et par contre, ce qui est clairement inspiré, c'est les films, tu sais, avec les grands kaijus là, les... Godzilla, ce genre ouais, de choses. Ouais, non, mais avec les robots là, tu sais, super grands là. Non, ils ont fait deux films là. Ils se battent contre des envahisseurs là, géants. Ah, ça me parle pas. Et les robots, ils ont... Ah oui, c'est des films, c'était fait par l'Espagnol là. Ils sortent de la mer, tu sais, et puis ils combattent... Moi, ça inspire de... Je vais retrouver le nom dans une heure. Eh, c'est... Eh... C'est beau ça, hein. C'est... Une deuxième qui est sortie qui a fait un flop. On va du côté de Goldorak, les gars. Attends, finis, pour montrer... Parce qu'il y a des beaux, quand même. Donc, tu vois, voilà le pilote de Red Mazinger. Tu vois, t'es pas sur Alcor. Alors, on en avait parlé, quoi. Moi, ça m'intéresse aussi, c'est quand tu vois l'évolution des styles graphiques. Et là, regarde, je te montre juste l'exemple. Mais on est typiquement dans les années 70 avec les mannequins hérités des années 60, longilignes, grandes, très grandes et tout, avec même le style d'habit, forcément. Tu retrouves un peu les tenues vestimentaires que tu avais dans le chapeau melon et bottes de cuir, c'est... Oui, c'est ça. Ah bah regarde, c'est lui que tu disais tout à l'heure avec son manteau, tu vois. Non, c'est pas lui, moi je parle du petit fermier. Dans voilà, mais lui, ça, il lui ressemble, moi, c'est là voilà. Lui que je te disais. Alors lui... Ah, voilà, avec son vaisseau là, avec ce vaisseau là. Parce que lui, il est aussi dans Goldorak, lui. Alors c'est des personnages rigolos, j'ai l'impression, il leur donne toujours une bouche comme ça. C'est ça, ouais. C'est un peu le bouffon. Regarde derrière toi. Ah ouais.
Il est beau. Il est beau. Il y a la tête des pieds. Ah, ils sont beaux ceux-là aussi. Donc là, c'est le pilote, là, Mike, non? Je sais pas. Non, c'est pas celui-là. On est toujours sur Gret Mazinger, regarde. Non, c'est pas lui encore. Lui, il avait dessiné en le pilote derrière de la bouche. Mais j'adore. Comment ça s'appelle? Pacific Rim. Pacific Rim. Tu vois, ces grands robots. C'est vrai que Pacific Rim, c'est inspiré. Hein. Bah, c'est tout ce qui est kaiju et robots géants, quoi. Et les bases là, bah ça, bon là, faut que tu fasses le focus là, hein. Ça va parler à beaucoup de monde. C'est beau ça. Tous ces dessins préparatoires. Ouais. Alors c'est dans les archives de quoi? De... Qu'est-ce qui possède tout ça, Max? C'est pas marqué. C'est beau tout ça. Hein. Donc en fait, ça c'est des dessins préparatoires pour le coup. Ouais, sûrement. Alors c'est pas des Dougas, c'est pas des... ce qu'il y a derrière les selles. Hein, c'est... Mais tu vois, en fait, carrément, ils ont dessiné le... Des settings. Le là où ils vivent là. Ouais, avec les indications, tu vois. Excellent. Alors, on parle pas en japonais. Est-ce que c'est des indications de couleur ou de sur la mise en place? Je sais pas. Je pense que c'est plus des détails, tu vois. C'est comme là, tu le retrouves sur la cascade. Tu vois, t'as l'exemple, il dit ça, c'est une trappe qui s'ouvre. Voilà, c'est tu vois, ça. Là, c'est l'eau qui vient de par là. Bah, j'imagine. Hein, attends, c'est pas là qu'on voit le parcours. Ah, non, ça a changé. Oh. Le fameux mythe là où il tourne sur son siège et ça sert à rien. T'as plein de coupes. En fait, il fait le plan de façade, des plans de coupe, toi, il fait l'architecte en fait. Ah ouais, c'est beau, hein. Il indique comment ça fonctionne. Et donc ça, a priori, c'est les dessins originaux de Gonagai, lui-même. C'est lui qui les a fournis. Oui, c'est ce qu'il disait dans l'expo, donc c'est pas des l'équipe. En... Lui, il a le détail. Ouais. Voilà, il est incroyable celui-là, incroyable. Alors, j'ai pas souvenir que celui-là il existe avec les trucs de chat. Une autre série, ça me dit, il y a des jouets avec ça là. C'est... Non, mais si, ça on voit dans le. Ah bon. Donc là, on est en 75. Actarus. Ah, regarde, là, on voit le trailer pour se rappeler. Ouais. Ah, les méchants derrière. Mais attends, Vénusia, elle est importante. Tu vois, c'est un personnage secondaire, mais qui est important. Vénusia ? Il y a toujours l'héroïne dans les séries de Gold de Gonagai. Tu la vois, Vénusia, Phénicia. Alors, il y a aussi une inspiration, c'est un peu avant, mais je trouve Bataille des Planètes. Ah ouais, Gatchaman. Gatchaman, je trouve dans les tenues un peu. Les filles surtout. Ah, il est stylé celui-là. Regarde, ça, c'est un setting pour avoir toutes les indications. Il est beau. Et c'est hyper détaillé quand même, hein, quand tu réfléchis bien. Il y en a qui se damneraient pour avoir un truc comme ça dans leur collection. C'est vrai. Hein. Ah, c'est ouf. Et là, on a... Ça reprend là. Ouais. Les méchants. Oh, les méchants. Le grand stratégien, forcément. La preuve qu'il est venu à la Japan, hein. Gonagai, ouais. Petite dédicace. Ouais. C'est beau, ça. Alors lui, c'est le... Ah. C'est Milos, non? Minos. Minos, ouais, c'est Minos. C'est celui qui a été dissous. Alors moi j'ai vu. On va peut-être dire que des bêtises, hein, les gars, hein, attention là. Hein, on va se faire corriger. Si non, c'est lui le grand stratégaire, c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, mais au-dessus, c'est son lieutenant là. Alors moi j'ai vu que la rediff, parce que 78, moi j'étais pas né, ouais. Ça me parle pas. Mais dans la rediff, je me rappelle, ça me faisait flipper ça, l'espèce de bonhomme dans la tête là. Avec la fille qui sort là. C'est une fille, c'est malsain. Même moi quand j'étais petit, je me disais, mais c'est pas possible en fait. Moi j'aime beaucoup l'ennemi, le crabe. Et le gorille, oh le gorille, dessin préparatoire, oh là là, magnifique. Le gorille. Oh là là, celui-là, regarde comme il fait Lovecraftien, tout ça. Tentacule. En fait, il l'a dit, hein, Gonagai, il s'est inspiré de plein de choses. Hein. Il est, de là, tu le vois, hein, donc c'est bien Minos, hein, on disait pas de bêtises. Il y a clairement du Cthulhu, il y a l'héritage des kaijus, tout ça, toute la culture kaiju. Alors. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je sais pas, les gamins, ça les ferait pas rêver ça. Parce que tu vois, c'est un autre style maintenant qui est plein. Mais ça, t'es un gamin dans les années 60, fin 70, 80, ces robots, c'est le kiff quoi. Alors là, celui-là. Guetteur robot ça. Ouais, mais regarde, la tête, elle te fait pas penser à un animé américain. Juste un personnage d'un dessin américain. Une héroïne. Lequel? Avec des chats. Regarde la tête. Je vois pas. Cosmo Cat, ça te dit pas Cosmo Cat. Regarde la tête, on dirait Félibel, j'ai cru de loin. T'as cru Félibel, hein, ouais. Après, Cosmo Cat, c'est arrivé après, hein. Y a pas de hésitation, mais... Ça, alors, c'est... Hey, mais y a énormément de choses, hein, putain. Guetteur robot, ça.
C'est marrant, on est repassé avant Goldorak. Ou alors on n'a pas suivi le sens qu'il fallait peut-être, c'est pas grave. Mais c'est pas grave ça. Voilà, montre les jeux. Ah, mais elle est vachement grande l'exposition. Hein. Encore Gaeta Contre-Pied. En fait, il était en 75 avec Goldorak, il était déjà sur plein de séries. Hein, regarde. On peut dire qu'il était productif quand même. Ah, j'avoue, ouais. Ça, je pense pas que ça a été, ça soit sorti en France. Hein. Non, moi j'ai pas. Non, c'est pas sorti en France. Hein. Tiens, regarde encore. Des personnages un peu rigolos au bouffon, toujours avec Prognath, tu sais, avec la mâchoire épaisse. Et tu remarques que c'est trop méchant. Il aime bien faire les mecs larges avec des cornes. T'as vu là? Ça fait penser à pas. Moi je pense à un truc, je sais pas si ça. Je pense à un personnage de Muscloman, un personnage nazi dans Muscloman. L'uniforme un peu nazi. Ah, mais clairement. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il aime bien les personnages un peu. Regarde là, c'est encore un stratégaire. On dirait des Lucifer, un peu des diables. Ouais. Kinnokiman. C'est marrant parce que. Il est né en quelle année, tu dis? 45, c'est ça? Je sais 45. Plus. Ouais, d'accord. Je sais plus. Ouais, donc ça veut dire qu'il est né après la guerre mondiale. Parce que... Oui, il est né pendant la guerre mondiale, les Japonais étaient alliés les Allemands. Quoi. Donc tu vois, tu sens quand même qu'il y a cette phase, il est né après une période, et donc pour lui, concilier les nations. Oui. Alors que ses parents étaient peut-être pas dans cette époque. Oh, bah, alors là, celui-là, on se demande ce que ça fait. C'est marrant. Un ovni. De ça? Ouais. C'est le jig, ouais. Je crois que c'est en Italie que c'est hyper populaire. Ouais. Regarde, là même là, ça fait pas style Little Red Hero. On dirait pas une illustration. Ouais. Et c'est beau hein, quand même. Hein. Il y a même un côté Megaman, je trouve. On dirait la base du Dr. Willy. Regarde ça là. Ah, c'est beau. Hein. Il y a du détail. Hein. C'est au-delà du détail, il y a de la recherche. Tu vois, il y a vraiment... Voilà, regarde, ils sont magnifiques ceux-là. Non mais t'imagines. Regarde celui-là, inspiré là du chauffeur japonais. Non mais t'imagines le nombre de méchants différents qu'il a pondu. Les hommes tortures viennent souvent dans les grands Goldbot et tout. Elle est bien. La carapace. Et là, l'inspiration, mais là on sait que c'est pompé parce que ça existait avant. Ouais, tu vois, la chose. Fantastic Four, la chose, les quatre fantastiques. Ouais. C'est clairement inspiré là. Ouais, pour toi, c'est inspiré là. Mais de toute façon, il l'assume, hein, il le dit. Hein, il est fait de ça. Hein, parce que un truc qui est intéressant, lui, il est né juste après la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a eu les Américains qui sont restés vachement au Japon. Bah, oui. On va dire en coloniser une partie. Et il y a eu cette génération d'enfants qui ont été bercés après avec les comics. Avec les bases américaines. Voilà, ils ont eu du comics. Et il y a eu, ça a changé la vision des mangas et des personnages héros. Et là, on le voit. Je suis sûr qu'il y a. Je crois que les 4 Fantastiques, c'est les années 60. Et tu le vois, il y a eu une inspiration. Et là, ça me fait penser au vaisseau d'Albator. Ouais. Ouais, tout en haut. Regarde, quand je te dis, il y a toujours de la carapace. Ouais. La double carapace des Golgots. Ouais, mais c'est sûr, ça se tient. Une carapace, c'est circulaire, ça peut faire ovni, tu vois, ça fait vaisseau spatial. Ah bah, je vois que mes références à moi, mais là, c'est China qui attaque. Le drague, elle est... Mais elle est... énorme, t'as vu le nombre de croquis. Eh, ceux-là ils sont magnifiques. Malheureusement vous serez plus là probablement parce que là c'est le samedi donc pour profiter de ça, mais c'est un truc de ouf le design. Oh, trop beau. Donc qu'il ait gardé tout ça, c'est ouf. Alors là, on n'a pas. C'est quand même ouf hein. Peut-être que vous voyez pas, on n'a pas les originaux. Hein. Ils ont pas pris de risque. C'est des copies, des scans super qualité. Ils ont pas pris de risque. Mais voilà, ça rend bien. Celui-là, je l'adore ce personnage. Vraiment même en n'étant pas fan, moi je suis pas un fan absolu de Nagai, j'apprécie la patte. Tu reconnais derrière le train. Et alors oui, il a toujours une passion pour le western et on voit encore l'influence américaine, tu vois. Ah oui. Parce que avec l'arrivée des GI qu'on stationnait au Japon, ouais. Il y a eu les films américains, donc on est en pleine période John Wayne, tous les films américains de cowboys. C'est vrai qu'ils sont marqué. Dans une ferme en plus, dans Goldorak, c'est une espèce de ferme. Le mec Prognat, il travaille à la ferme. Hein. Ah, regarde là, voilà, de la diligence, toujours. Ah,
Alors ça, Kutiuni. Chéri Miel en français. Mais c'est vrai que c'est 73, mais c'est il a été Goldorak. Productif de malade. Mais c'est-à-dire, t'as vu toutes les années, il y a des années, il a trois séries quoi. C'est ouf. Ça, c'était super érotique hein, pour l'époque. Ouais. D'ailleurs, même le générique français. On a pas vu de cosplay de ça aujourd'hui. Non. Faut avoir le physique hein, aussi, hein. Faut assurer. Hein. Regarde encore. La mâchoire pour un personnage un peu rigolo quoi. Ouais. Regarde, tu vois, lui, il est là. Voilà. Mais alors lui, est-ce que c'est le même personnage que dans Goldorak? Mais il met souvent les mêmes personnages. Il y a des crossovers. Ouais, je sais pas. Hein, mais... Est-ce que c'est le même nom? Non, parce que Alcor, quand tu regardes bien dans Goldorak, il me semble pas que ce soit... On dit pas que c'est celui de Mazinger. Si. Quoique si. Nous, c'est en français, donc peut-être qu'ils l'ont... Tu regarderas, j'ai revu le premier épisode de Goldorak récemment, là, et il y a un moment donné... Il y a Alcor qui a un flashback, mais c'est dans les premières minutes du premier épisode, et il visualise les Mazinger Z et Great Mazinger. Ah ouais? Ouais. C'est dans les premières minutes de Goldorak. Regarde ce que je te disais sur les filles, c'est flagrant. Tu vois, tu ouvrirais un magazine lui des années 70, les nanas elles avaient mini-jupes, comme ça, c'est vraiment le style des filles. Ah bah c'est l'air du temps à cette époque-là. Ouais, mais quoi. Est-ce qu'au Japon c'était ce style-là? Je suis pas sûr. Non. D'accord. C'est la pin-up telle qu'il l'idéalise peut-être à l'européenne ou à l'américaine. Mais je pense pas qu'au Japon c'était la mode. Non, mais peut-être que j'ai, vu que le programme au départ était prévu pour les Japonais, ça avait un côté exotique. Ouais. Oui, c'était ça. Regarde, et sexy quand même. C'était la mode occidentale, donc voilà. Et là on est encore un peu plus. Là on a passé une vingtaine d'années là. Ah ouais. Alors, en fait, il n'y a pas de structure chronologique dans l'expo, je crois. Non, c'est ça, il n'y a pas de structure. C'est par thème. Hein. Alors là, je connais pas du tout Shin Kutiyoni. C'est là. Donc sûrement un. C'est une suite. Alors là, le trait, il a changé. Regarde. Toi, je te disais, le style longiline est là. Est-ce là, plus là on reconnaît plus un style à la Marvel. Voilà, et costaud avec les muscles. Ouais. Alors que là-bas, ils étaient longilines, fines, ouais. Comme les mannequins années 60-70. Et là, ça change. Et on est quoi? On est 20 ans après. Ouais. Donc, comme quoi aussi, il y a les canons, entre guillemets, du dessin qui changent vachement, quoi. Et ça montre, ah bah celui-là il est énorme, et regarde, il y a clairement une inspiration Marvel. C'est, ouais. C'est mix de Spider-Man et Docteur Octopus là de. Comment il s'appelle? Exactement. Là, c'est super. Même ça a évolué, regarde le dessin comme il a changé. Alors après, il y a peut-être aussi des inspirations de d'autres mangakas qui sont apparus entre temps, quoi. Oui. Parce qu'un Akira par exemple, c'est arrivé dans ces eaux-là, tu vois, t'as des. Donc il y a un style aussi, mais il s'abroque, c'est bien, c'est adapté. Elles sont magnifiques ces PLV là. Si tu te dis, ceux qui vont les récupérer, en plus quand tu regardes, c'est vachement épais, tu vois, c'est... Ça là elle est stylée. Grave. Alors là, compte quand même parce qu'il y aura peut-être des Dororon et Makun. Je connais pas du tout. Une petite sorcière. On voit c'est un univers moitié... Ah là il y a la suite, on les voit. Regarde, ça te fait penser à qui ça? Bah, ça fait pas. Penser à deux trucs du manga, des mangas. Judo Boy? Non, moi je me fais penser à Urusei Yatsura, la mue. La mue, ouais. Et la femme chien, là, comment il s'appelle le manga Inuyasha. Je connais pas. Je trouve qu'il y a une inspiration. Ça c'est un kappa, bah, tu vois, kappa Eru. C'est du folklore japonais. Ça a l'air pas mal cette petite série qui a l'air plus axée enfant. Alors là, il y aura des experts qui vont nous expliquer parce que nous, on connaît pas du tout. Ah bah là, les yokai. Et là, derrière, il y a du wedge, Mike. Ah bah on termine la visite. La visite de l'exposition. C'est du Tamashii Nations, tu vois. Regarde, Daikatsu celui-là. C'est stylé, hein. Et là, oh là là. Peut-être tu vas me dire lequel tu préfères, toi, de tout ça. Le robot que je préfère? Le personnage, pas forcément un. Je veux dire, en méchant, là. En méchant? Ah, ouais, c'est vrai qu'il est méchant. Mais il n'y en a pas trop, en fait. C'est vrai que les méchants, et puis, je trouve plus diversifié. Parce que comme ils se faisaient goûter à chaque épisode. Bon, bah, les gars, on arrive doucement à la fin de cette. Viens voir là. Oh, mais ça, c'est beau, là. Ça, c'est magnifique. Le mec qui revient toujours sur son étude de style vestimentaire, mais regarde,
l'évolution. Ça, années 60-70, clairement. C'est pas du Bonagaï, ça. Si. Jig, c'est Jig, regarde. C'est la série. Si, 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 bien sûr. Ah, ouais. D'accord, donc c'est plus récent. Là, on dirait du Gundam. Ça, c'est beau, ça, c'est la route qui prend, genre. La route souterraine et tout, c'est génial. Je sais pas si t'as vu. Ah mais il pilote vachement bien. Sans le radar véhicule. Hey, regarde l'image là, c'est Pacific Rim. Ça pourrait être extrait de Pacific Rim. Bah là c'est le. En fait c'est le remake de Mazinger Z qui est sorti en 2017, ça je crois. Bon bah voilà. Voilà. La sortie, on a fini notre visite du. Alors ce qui est sympa avec une expo comme ça, c'est que même quand on n'est pas des experts comme nous, on n'est pas des fans en plus de, absolus de Nagai, bah on apprécie. Parce que de voir les beaux dessins et les influences diverses. Et ça, ça nous a. Moi j'ai regardé Goldorak quand j'étais gosse. Ouais. Mais pas tu regardais la version Club Do, la rediffusion Club Do. Non, avant. Bah non, moi j'ai un grand frère et il était à fond dedans, donc j'étais à fond dans Goldo. Hein. Bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et ce qu'on voulait, comme tu disais Mike au début, c'est garder une trace de cette exposition. C'est toujours bien parce que réunir des. Même si c'est pas des originaux, il a rassemblé quand même des. Il a ressorti des archives, des trucs super. Et voilà, vous aurez une trace dans 15-20 ans de cette exposition qui était à Japan Expo. 20e anniversaire. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et bientôt, là, les deux Lascars, on va aller les voir parce qu'on était venus se balader en fait. Pour un but bien précis. Il y aura du lourd, du très très lourd. Allez, ciao, salut. Ciao.